aujourd'hui, on est à Aix-les-Bains et c'est la 18e édition du triathlon d'Aix-les-Bains. Alors, en l'occurrence, on a 750 participants. On a plus de 1200 personnes liées à l'événement qui sont présentes, 180 bénévoles. Et cette 18e édition fait que c'est vraiment pérenne. En citant 750 participants, c'est en plus en bloquant les inscriptions assez tôt. Alors ici, on parle d'une distance olympique. La distance olympique, format M, ça consiste à 1500 mètres de natation, 40 à vélo et 10 à pied. C'est le premier triathlon pour moi, du coup, déjà le finir. Et idéalement, j'aimerais bien faire moins de 3 heures. Ça serait beau, quoi. Parce que je viens plutôt du monde de la course à pied, donc déjà, le vélo, ça va, ce serait bien la passerelle. Après la natation, il y a d'autres compétences à avoir. Alors, c'est pas courant sur ce type d'épreuves qui sont labellisées fédération de triathlon avec pas mal d'éléments précis. C'est pas courant d'avoir plus d'un tiers de gens qui ne seraient pas licenciés. Nous, c'est plus de 50%. 51% cette année sont non licenciés. L'explication vient du fait que c'est vraiment un super cadre. Il y a une organisation qui est reconnue comme à la fois très conviviale, sympa et puis très sérieuse. Et dans ce cadre-là, en fait, beaucoup de gens sont tentés de se dire « je me lance le défi ». C'est pas rien de tenter ces enchaînements-là, mais dans l'absolu, c'est un enchaînement comme ça, c'est 2 heures pour les meilleurs, ça va être 4 heures pour les moins bons, les moins rapides. 4 heures, c'est un beau défi, mais c'est possible. Ok, moi je voudrais finir et pas dans les 15 derniers. Et franchement, si on arrive à faire en 3 heures et avec le sourire, ce sera trop bien. On a bien conscience que des organisations sportives comme ça, en dehors de louer des vertus sport très intéressantes, de partage, de convivialité, ça a quand même un impact parce que c'est très éphémère. On met en place beaucoup de choses pour une épreuve, une matinée, et après ben, on démonte. Conscient de ça, on a vraiment essayé de faire des gros pas en avant avec des partis pris importants pour réduire tout ce qui peut être éphémère et dans des pas, des évolutions de société qui vont dans un sens qui nous paraît fondamental. On parle de sport outdoor. Ben, on a entre autres sur les véhicules et sur les besoins de transport mis l'accent sur limiter. Donc on a des véhicules électriques, on est super bien accompagné par Jeanlin Mobilité puisqu'on bénéficie de véhicules électriques en ouverture du parcours cycliste, en fermeture. On est aussi sur plein de besoins logistiques avec des véhicules qui sont de plus en plus sains. Franchement, une super impression. Je suis très content de mon départ, Nat. Je suis parti très bien placé, tout de suite, dans le coup. Super satisfait de ma performance. Là, je suis en pleine préparation. Le samedi prochain, je suis sur la longue distance de Royan, sur la côte atlantique. Donc, c'est de bonne augure. Ben nous, on est super heureux de voir les visages si épanouis, si enthousiastes, dans le partage en fait, à la fois des bénévoles, mais bien sûr des coureurs. Et quand on traîne dans l'air d'arrivée, ce qui va être le cas sur la fin de l'édition là, c'est là qu'on se rebooste le plus en termes de motivation, d'envie pour aller sur l'édition suivante.